Ce n'est pas le plus connu des officiers de Napoléon, mais sa tombe à Sarlat est de loin la plus grande du cimetière. François Fournier-Sarlevez a suscité l'admiration de nombreux de ses compatriotes sarladais, notamment durant sa vie, et cette admiration s'est véritablement accrue après sa mort. En témoigne donc ce tombeau qui a été érigé par ses concitoyens en 1859 en forme de pyramide, probablement en référence à son engagement maçonnique. Malgré les apparences et l'argent légués aux Sarladais, ce héros de l'Empire ne fut pas un modèle de respectabilité ni un fidèle soutien de Napoléon. Dès le début, la rencontre entre les deux personnes s'est mal passée et Napoléon lui gardera toujours une rancœur. Attaché aux valeurs de la Révolution, Fournier-Sarlevez a mal accepté l'émergence d'un pouvoir fort, ce qui est tout à son honneur. Mais derrière ce beau portrait, visible à la mairie de Sarlat, il y avait un tempérament très indiscipliné, voire malhonnête. Il a été envoyé à la prison du Temple et à de nombreuses reprises de sa vie, il a été obligé de se retirer à Sarlat. Pendant de nombreuses années, il était en exil à Sarlat. Chaque fois, il va être nommé dans un grade relativement élevé, et puis il va commettre de telles frasques ou même de telles malhonnêtetés parfois, qu'il va être rétrogradé. Ses parents tenaient ici une auberge, le Tapis Vert. Bagarreur, voleur, trousseur de jupons, Fournier-Sarlevez avait néanmoins de redoutables qualités au combat. En Espagne, on le surnomma El Demonio. C'est le seul officier de cavalerie légère qui ait traversé et brisé un carré anglais. Aussi bien habile avec un sabre qu'avec un pistolet, sa légende personnelle lui prête une bien curieuse habitude. Tous les jours, il avait un rituel avec son domestique. Son domestique levait un écu en l'air et lui, à 25 pas, il tirait l'écu et il faisait envoler la pièce. Il aurait ainsi inspiré l'un des personnages du film Les Duellistes, tourné en partie à Sarlat, sa ville qui, malgré ses frasques, organisa en 2017 un très beau week-end de reconstitution. Et le plus fort dans cette histoire, c'est que ce héros discutable est mort dans son lit en 1827.